Hey, 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 coucou mes petits culs et bienvenue pour ce jour 2 du calendrier de l'Avent spécial de cette année sur la chaîne. Oui, c'est vrai, de temps en temps, faut que je fasse ma pub. Bref, aujourd'hui, on est sur une maison qui est plus familiale. Alors, déjà, je tiens à dire que les maisons familiales sont pas vraiment mon fort. J'en fais genre, jamais. Enfin, du moins, j'aime bien. En fait, c'est un style qui paraît tellement simple. Mais quand j'essaye de le faire, ça rend jamais bien. Donc, en gros, j'en fais quasiment pas. Moi, vous savez, mon style préféré, c'est les manoirs, c'est les châteaux, c'est les trucs comme ça. Bon, j'en fais pas non plus tous les 5 matins. Mais les maisons familiales, c'est quand même quelque chose qui, pour moi, est toujours un mystère. J'en vois des millions passer sur Twitter, qui sont dans la galerie. Et je me dis, ah, elles sont belles, mais elles sont simples, entre guillemets. Et puis, quand j'essaye, je me dis, bah, en fait, c'est pas si simple que ça à faire, une maison familiale. Aujourd'hui, j'ai voulu tester cette petite grande maison, du coup, familiale. En vrai, elle a que 3 chambres, ce qui est pas non plus exagéré. Mais dans le format et dans le style, elle est plus familiale que les autres maisons que j'ai pu faire. Et je la trouve quand même un petit peu... Elle est pas non plus ce que j'aurais pensé que j'aurais voulu faire. Bref, vous avez compris ou pas? Je ne sais pas. Disons que j'aurais voulu faire mieux et j'ai pas forcément réussi. Mais peut-être que dans les prochaines vidéos du calendrier de l'Avent, vous verrez des maisons mieux réussies. Je dis ça, je dis rien. Il va y avoir du concept, il va y avoir des essais, il va y avoir des trucs chelous, il va y avoir des trucs sympas. Mais c'est le cas du concept d'une maison par jour. Alors, bien sûr, comme la vidéo précédente du calendrier de l'Avent, cette maison sera vide. Elle est juste construite de l'extérieur. Elle a une délimitation des pièces. Et après, elle a un petit extérieur qui est des fois plus travaillé que d'autres. Mais surtout, vous en faites ce que vous voudrez à l'intérieur de cette maison. Vous la prenez, vous l'installez sur un terrain et vous meublez comme il vous semble. C'est-à-dire que moi, j'ai prédisposé, par exemple, je me dis, bah là, moi, je mettrai la cuisine. Mais si vous trouvez que la cuisine, eh bien, vous n'avez pas envie qu'elle soit là, vous la bougez de place, c'est pas un souci. Alors, pour cette maison, j'ai aussi un petit peu abusé du pack Monde Magique, où j'ai mis à l'honneur vraiment, il y a les colonnes, le revêtement extérieur, les fenêtres qui viennent du pack Monde Magique. En fait, je les avais jamais utilisées dans cette couleur-là, avec ce bois un peu orangé clair. Et surtout les espèces de trilili tralala sur les fenêtres en doré. C'est pour ça qu'elle s'appelle la dorée. Et pas juste la dorée, mais l'apostrophe adorée. Parce que je me suis dit, ça fait un jeu de mots. Et en même temps, ça met en avant aussi son côté un peu chic et doré. Que j'aimais beaucoup en fait. C'est vrai que je trouve qu'elle a un petit côté très sympathique de ce fait d'avoir ces fenêtres dorées, ces portes dorées, tout ça. Comme vous avez pu voir, j'ai déjà délimité le rez-de-chaussée. Alors, il y a un truc que je me suis rendu compte assez rapidement quand j'ai fait mes premières maisons pour le calendrier de l'Avent, c'est qu'à chaque fois, j'oubliais l'emplacement d'une salle d'eau, ou du moins au moins quelque chose pour aller aux toilettes ou à la douche pour la maison des Sims au rez-de-chaussée. Du coup, il y a des fois, c'est un peu petit, c'est un peu biscornu, mais j'essaye toujours de trouver un endroit, ou du moins s'il y a un étage, il y a au moins un endroit qui est au rez-de-chaussée et un endroit qui est à l'étage pour la douche, pour les toilettes, pour les Sims. Vous savez bien que s'ils ont une envie pressante, ils peuvent pas faire 15 km à marcher avec les jambes croisées. C'est ridiculement impossible. Du coup, sur cette maison-là, vous avez vu un espace qui est déjà au rez-de-chaussée, qui est près de la porte pour aller derrière, pour aller sur la terrasse extérieure. Et on va avoir un tout petit espace à l'étage. J'ai pas trop réussi à mettre ce que j'aurais voulu. J'ai pas réussi à délimiter un vrai endroit pour une salle d'eau, en tout cas commune. Vous verrez, c'est tout petit, tout biscornu, mais à la limite, il faut mettre une douche. Voilà, vous pouvez pas mettre plus beaucoup de choses non plus là-dedans. C'est vrai que... c'est un petit peu petit. Alors, c'est pour ça que rez-de-chaussée, il va y avoir la salle d'eau où je viens de mettre la petite porte, qui du coup a assez de place pour tout avoir, à toilette, douche et compagnie. Et au rez-de-chaussée, donc, nous avons un espace salon qui est donc là avec le parquet.
qui correspondra avec l'entrée. Et il faut absolument passer par l'entrée et le salon pour aller dans la cuisine qui du coup est de l'autre côté. Après, vous pouvez mettre aussi la petite arche pour faire la jonction directement depuis l'entrée. C'est vous qui voyez, comme je dis à chaque fois. Hein. La cuisine est énorme parce que dans ma tête, je me suis dit ce sera une cuisine avec une table pour manger directement. Donc c'est vraiment un espace cuisine et salle à manger en même temps. C'est pour ça qu'elle est très très grande. Que ça fait vraiment le truc familial en fait, c'est on descend, on mange, mais on va pas se barrer dans une autre pièce, on mange quand même tous ensemble à la cuisine en famille. À l'étage, j'ai donc commencé à délimiter les chambres où je me suis vite rendu compte que ça allait être un petit souci des délimitations avec tous les coins biscornus, et je me suis dit ok, du coup la chambre qui est tout au fond que vous voyez, ce serait une chambre parentale. Pourquoi? Parce que je lui ajoute du coup une salle d'eau incorporée à l'intérieur. Voilà le petit truc tout biscornu dont je vous parlais pour la salle d'eau à l'étage, que je me dis vous pouvez caser une douche dans le coin, mais voilà, vous pouvez pas mettre non plus 10 000 choses à l'intérieur, mais ça c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Et le petit espace qu'il y a dans la chambre du fond, c'est donc une salle d'eau pour la chambre parentale. Donc ça fait qu'il y aurait 3 salles d'eau dans la maison. C'est quand même pas mal, 3 chambres, 3 salles d'eau. Je pense qu'on est pas mal. Et vous pouvez mettre, vous pouvez encore délimiter certaines chambres, en faire des plus petites. Comme vous voulez, disons qu'après il y a des chambres qui vont être encore plus biscornues ou pas. C'est à vous de voir si vous voulez caser. Si vous savez qu'une famille de 4 personnes avec les parents et 2 enfants, ça ira nickel. Si vous en avez 5 enfants, ce sera pas à la bonne maison. Il faudra attendre. Il y en aura avec beaucoup plus de chambres, je vous promets. Il y en aura. Et puis voilà. Alors en tout cas, moi, cette maison, c'est pas forcément celle que j'aurais le plus aimé faire dans ce petit challenge, mais. J'aime bien l'ambiance qu'elle a quand même avec toutes ces dorures et tout ça. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un petit com, un petit like, à partager aussi. Ça pourrait toujours intéresser les personnes d'avoir cette maison dans leur jeu s'ils ne sont pas très forts en construction et qu'ils veulent avoir une maison toute faite où il suffit juste de poser les meubles. N'hésitez pas. Et puis, surtout, prenez soin de vous. J'espère que votre petit chocolat du matin a été très sympa avec vous aussi. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour la suite du calendrier de l'Avent ou d'autres choses sur ma chaîne. Allez, salut!